Alors rapidement, s'il vous plaît, on va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens, paramètres. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Non? Ah, oh, désolé, c'est dans le Nouveau Testament. Ok. Autant pour moi. Éphésiens chapitre 5. Les habitués aux messes de mariage vont dire le frère David est en train d'aller. Il ne va pas nous hololiser par hasard. Curieusement, j'arrive au verset 25. Dis de gloire en gloire. Peut-être que quand tu vas lire, tu ne vas pas tout de suite savoir. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre. Éphésiens 5, à partir du verset 25. On peut lire tous ensemble, 1, 2, 3. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On va encore lire le verset 27, 1, 2, 3. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Avant d'aller plus loin, observez. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme si on est en train de nous dire que la gloire sur l'église va se constater par le fait que l'église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est comme si on est en train de nous dire que la gloire de Dieu ne se constate pas par la chair de poule que tu ressens, mais elle se constate lorsque tu sors sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme si on était en train de nous dire que la gloire de Dieu dans ta vie ne se manifestera pas par les vibrations que tu as perçues quand tu étais en train de prier, mais elle se constatera, elle sera évidente lorsque, en te regardant, on te verra sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je ne suis pas en train de parler du mariage. Je suis en train de parler d'intimité. Quelqu'un peut s'asseoir? Je ne sais pas si tu vas suivre debout ou assis. Vraiment, ça dépend de vous. Dis avec moi, sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Insiste, dis sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Alors que tu dis sans tache ni ride, ça s'attache à ta vie. Sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Dis encore sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Aïe. C'est bizarre, maman Mireille. Saint-Esprit, donne-nous de saisir ce que tu veux que nous puissions saisir. Au nom de Jésus. C'est quand même bizarre. Pourquoi on parle de tâche ou de ride? Une église sans tâche ni ride. Vous n'avez pas remarqué la tâche? Si la tâche était citée seule, j'aurais cru que c'est une autre partie du corps. Peut-être une tâche sur la cuisse, une tâche sur la main, une tâche sur le genou. Mais à partir du moment où on attache le mot tâche, oh Jérémie, avec une autre réalité qu'on appelle une ride, je comprends qu'on parle du visage, n'est-ce pas? Lorsque la Bible est en train de dire sans tâche ni ride, elle est en train d'évoquer une zone précise du corps, le visage. Sinon, il aurait pu dire une église avec de beaux ongles. Une église sans poussière aux pieds. Mais non, il n'est pas allé là-bas. Il a dit une église sans tache ni ride. Il parlait du visage. Pourquoi il parlait le visage? Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, la gloire de Dieu sur ta vie ne va pas se constater
par l'émulsion ou la sensation que tu perçois lorsque tu es à l'église. La gloire de Dieu, elle va se constater lorsque tu en ressors, tu ressortiras de sa présence sans tache ni ride. Pourquoi le visage alors? Ce qui note, tu peux noter, première des choses, pourquoi le visage? Parce que le visage est le meilleur moyen de traduire une rencontre. Le visage est le meilleur outil qui puisse permettre de traduire une rencontre. Tu vas comprendre. Le visage est une des... Je vais dire ça autrement. Si je veux être sûr qu'il y a eu une rencontre, je vais me focaliser beaucoup plus sur le visage que sur autre chose. Si je veux prouver que j'étais à J'adore Church un samedi 17 février, je ne vais pas poster ma main sur Facebook. Je vais poster mon visage. Si dans ce texte, on se concentre sur le visage, c'est parce que le visage veut traduire comme un aspect qui va témoigner avec certitude d'une rencontre. D'une rencontre. Raison pour laquelle, quand Moïse est descendu de la montagne, et la Bible nous dit dans Exode 34, au verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables à la main. Les mains ne brillaient pas. Et en descendant de la montagne, ses pieds ne brillaient pas, sinon on aurait dit, il ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aïe. Puisque j'ai parlé avec l'Éternel, ça va se voir sur mon visage. Les choses qui concernent le visage concernent des rencontres que tu as eues. Voilà pourquoi dans ce texte, on ne se concentre pas sur les ongles de l'église. On ne se concentre pas sur le reste de l'église. Il dit d'abord, sans tache ni ride. Je saurai que tu as été dans la présence de Dieu lorsque tu en ressortiras, sans tache ni ride. Montre-moi l'état de ton visage, je te montrerai. Je saurai avec qui tu as parlé. Même de manière naturelle. Vous savez, des fois quand on se préparait pour aller à l'école, lorsque tu veux quitter de la maison, même après avoir pris ta douche, il est possible que sur le visage, il ait quelque chose au coin de l'œil. Comment on appelle ça en français? J'ai jamais su. Bipotille en français, c'est quoi? Bipotille? Hein? Comment on appelle le truc qui apparaît au coin de l'œil? Le truc. Truc. Tu viens de quelque part. Les crottes des yeux. Ah, c'est pas évident. Bon, en français, on va dire qu'on va chercher. Quand tu sors, avant de partir, si tu te rencontres avec maman, un membre de famille, il va te dire, ah mais viens un peu, il fait ça. Pourquoi? Parce que vous êtes proche. Et le fait que vous soyez proche lui permet d'apporter une modification sur ton visage, sur ce qui n'allait pas. Parce que je peux arriver jusqu'à l'école, mais mon voisin, on n'est pas très proche, c'est même le jour de la rentrée, il se trouve, on ne se connaît pas. Il va se gêner de... Le visage, première des choses, traduit une rencontre. Deuxième des choses, traduit une proximité. Voilà pourquoi c'est pour avoir parlé avec Dieu que Moïse a eu son visage qui brillait. Voilà pourquoi dans ce texte, Dieu met en lumière cette histoire de visage. Ça veut dire aussi que les choses que je vais révéler ultérieurement pendant que je serai en train de parler vont montrer que quelqu'un a réellement rencontré Dieu ou pas. Les choses dont je vais parler dans les lignes qui suivent vont nous aider à comprendre si après 12 heures on aura rencontré Dieu ou pas. Ou si on se sera juste imposé une discipline, une corvée physique. Ça veut dire en prêtant attention à ces choses, tu pourras te rendre compte de à quel point tu t'es approché de Dieu ou tu t'es approché d'autre chose. Parce qu'en matière de spiritualité, il y a toujours deux pôles, il n'y a pas de milieu. Soit tu es proche de Dieu, soit tu es proche du diable. Si tu ne t'es pas approché de Dieu, c'est que tu t'es approché de la chair ou du diable. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Le visage peut exprimer une expérience vécue, une fréquentation, une intimité, une proximité. Il dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie.
parce que je me suis retourné vers lui. Il m'a affecté et ça se voit sur mon visage. Le visage ne se couvre point de honte. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Rappelez-vous que la fois où Adam a tourné son regard vers le serpent et que Dieu est venu dans le jardin, il s'est couvert de honte, il s'est caché. Il a fréquenté le péché. Conséquence, il a été couvert de honte. Voilà pourquoi David dit, lorsqu'on a fréquenté la gloire, on ne peut pas se couvrir de honte. Sur mon visage, quand on va regarder, on ne va pas voir la honte. 12 heures passées dans la présence de Dieu, tu vas sortir de la honte? Impossible. 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 Donc ne t'en fais pas. Il est fort probable, il est fort possible que même pendant le culte, même pendant qu'on adore, même pendant qu'on parle du Saint-Esprit, que tu n'aies pas la moindre sensation, la moindre impulsion, la moindre chair de poule, mais qu'en sortant, on voit que quelque chose a changé. Quelqu'un comprend ce que je dis? Écoute, dis à ton voisin, il faut que ça se voie. Dis-lui encore, il faut que ça se voie. Quelqu'un comprend ce que je dis? S'il te plaît, ne reste pas sur les sensations. Jésus-Christ est en train de travailler sur son épouse afin que ce jour-là, il puisse paraître une épouse, une église, sans tache ni rides. Il se concentre sur son visage. Ne reste pas dans le sensationnel. Cherche quelque chose qui va se remarquer sur le visage. Et je vais le dire en passant, il est important que l'on cesse d'être émotionnel dans la présence de Dieu. C'est important. Ce que nous faisons dans la présence de Dieu, nous le faisons en esprit. C'est une activité spirituelle. Ça veut dire que, au-delà de chercher à comprendre une perception physique, cherche à comprendre une perception spirituelle. C'est en esprit que nous recevons les choses de l'esprit. Tu ne peux pas vouloir exprimer seulement par ta perception physique ou dans ton âme ce que tu as reçu en esprit. C'est une erreur. Si je t'ai envoyé par Bluetooth, ça doit venir dans le dossier Bluetooth. Aïe. Qui a déjà utilisé un Android avec Bluetooth? iPhone ne maîtrise pas trop ces choses-là. Surtout les Androids. Bluetooth, Xander. Quand tu envoies par Xander, tu dois d'abord trouver dans Xander, non? Tu ne peux pas chercher à ressentir physiquement ce que tu as reçu spirituellement. Cherche d'abord à être dans la révélation spirituellement. On est en train de passer 12 heures dans la présence de Dieu. Quelle est la révélation qui se dépose dans ton esprit par rapport à ça? Ne soyons pas sensationnels. Ça me rappelle, maman, une fois, je suis à Colézy et le pasteur, il veut faire un service et puis il dit Froshadrak, puis Kambele ou les mélodies à Touli, Touli, Touli. Ça, je vais dire un peu en swahili, vous allez comprendre. Il dit, ça, Minanza Kujambia, je dis, ah. Touli, Touli, ni ambulance, ni biadje. Je vous explique. Le pasteur dit au pianiste, frère Shadrak, joue-nous la mélodie de Touli, Touli, Touli. Alors je commence à m'étonner, je me dis, ah, Touli, Touli, c'est quoi? C'est la police, c'est l'ambulance, c'est quoi? Après, quelqu'un est venu souffler au frère Shadak. Frère Shadak, le pasteur dit tout l'honneur. Ah, oh. Joy, il est touli, touli. Pourquoi? Parce que pour ce pasteur, il ne peut pas faire le service sans touli, touli. Ne faites pas de nous des DJ, s'il vous plaît. Non, frère David, il faut que tu chantes seulement telle chanson, c'est là. Je ne suis pas un DJ. Je vais chanter selon ce que le Saint-Esprit me demande. J'aimerais motiver un modérateur, un conducteur de culte. S'il te plaît, ne te laisse pas influencer. Si tu sens de chanter un refrain jusqu'à la fin du culte, chante-le. Touli, touli. Alors je disais, les choses qui concernent la face sont les choses qui concernent l'intimité. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de regarder ce passage en essayant de comprendre qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire dans l'intimité, dans le but d'obtenir un résultat.
Parce que eschatologiquement parlant, ici, nous sommes aux noces de l'agneau. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura un résultat que Dieu aura voulu obtenir, mais qui passera par un travail, par un processus qu'il aura fait tout ce temps. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quand tu regardes ce passage, ne pense pas seulement au mariage, pense à l'intimité. D'ailleurs, on est en train de traduire, pour la toute première fois qu'on parle de Jésus comme époux dans la Bible, on est en train de traduire ses rapports avec son épouse. N'est-ce pas là une affaire d'intimité? N'est-ce pas là une question d'intimité? Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, la gloire de Dieu sur ton visage ne va se montrer ou ne va éclairer, ne va se manifester que lorsque tu as été dans l'intimité. Les choses qui concernent la gloire, ce sont des choses qui concernent l'intimité. Je peux te dire quelque chose? Regardez, lorsque vous êtes dans le tabernacle, il y avait trois types de lumière. Lorsque vous êtes, on peut les réciter par cœur, n'est-ce pas? Il y avait trois pièces, trois parties si vous voulez. La première partie, parvis. Deuxième partie, troisième partie. La lumière qui éclairait dans les parvis, c'était la lumière du soleil, n'est-ce pas? Parce que c'était un toit ouvrant, décapotable. Technologie décapotable et banakala. Laisse tomber. Lorsque tu arrives dans le lieu saint, la lumière qu'il y avait, c'était le chandelier. Chandelier d'or, dans lequel d'ailleurs le sacrificateur devait mettre de l'huile pour entretenir la flamme. Mais lorsque tu arrives dans le lieu saint, il n'y a pas de lumière. Plus tu avances, plus il fait noir. Mais plus tu avances, moins tu dépends de la lumière de l'extérieur. Parce que la lumière du soleil, c'est la lumière de l'extérieur. Lorsque tu avances au lieu saint, c'est la lumière du chandelier. Mais lorsque tu arrives dans le lieu très saint, la seule manière de constater la lumière, c'est celle qu'on appelle la Shekinah. Les choses qui concernent la gloire, ce sont des choses qui concernent l'intimité. Raison même pour laquelle, lorsqu'on est dans le parvis, il pouvait avoir beaucoup de monde. Même les lévites, ceux qu'on appelait les chantres, ils pouvaient être là. Lorsqu'on arrive dans le lieu saint, il y avait les sacrificateurs. Mais lorsqu'on arrive dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur. Ça veut dire, plus tu avances, plus tu es seul. Oh, quelqu'un a raté ça. Plus tu avances dans la présence de Dieu, plus il est possible que tu aies l'impression d'être seul. Plus tu avances dans ton intimité avec Dieu, plus il est possible que Dieu commence à te demander des choses qu'il ne demande pas aux autres. Mais c'est ça l'intimité. C'est ça l'intimité. Plus tu t'approches, plus tu auras l'impression que les choses que Dieu commence à te dire ne sont pas en adéquation avec ce que les autres disent. Mais c'est l'intimité. L'intimité n'est pas commune. Elle est singulière, elle est particulière. Elle est individuelle, elle est personnelle. De sorte que lorsque tu seras dans l'intimité, que ça se voie, que tu as réellement été avec lui. Quelqu'un comprend ce que je dis? Pourquoi j'insiste sur l'intimité? Parce qu'il est possible que plusieurs personnes aient une certaine révélation de Dieu. Mais seuls ceux qui sont réellement allés dans l'intimité, seuls ceux qui sont réellement en intimité avec lui, rayonnent de sa gloire ou bénéficient du privilège d'être irradiés par sa gloire. Sans tache ni ride. Apocalypse dit, tout œil le verra. Apocalypse 1:7. Tout œil le verra. Tout œil, même ceux qui l'ont percé, la Bible dit. Même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire que tout œil le verra ici ne veut pas dire que tout celui qui pourra le voir pourra entrer au ciel. Non, tu l'as vu, mais puisque tu n'as pas été en contact avec lui, tu n'entres pas avec lui. Tu es à l'église, on te prêche, tu as vu, tu as entendu. Mais si tu n'es pas entré en contact avec ce qu'on t'a présenté, tu ne vas pas aller avec lui. Parce que c'est une question d'intimité. J'aimerais ici interpeller un adorateur. Il n'est pas ici question de combien tu as bien chanté au culte. Du reste, la toute première fois que le concept adoré a été mentionné, si je veux faire comme un théologien et que je veux me référer à la loi de la première mention, le pasteur Jeudi est ici et il sait que la loi de la première mention évoque que... Ah, la théologie. Tout simplement pour te dire que la loi de la première mention voudrait que une chose soit gardée dans le contexte ou dans les réalités dans lesquelles il a été mentionné la première fois. Si la première fois qu'on a mentionné quelque chose, ça concernait X, Y réalité, il faut que toutes les autres fois que l'on veut en parler, qu'on commence d'abord par ça.
Et la toute première fois que l'on parle de adorer dans la Bible, ça n'avait rien à voir avec le chanter. Rien à voir. Genèse 22. Le passage, l'un des passages préférés de maman Mireille. J'aime tellement l'entendre à ce sujet. Genèse 22. Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons. Vous vous rendez compte, il était avec des gens. Mais comme il commençait maintenant à atteindre des dimensions d'intimité, il dit, restez ici. Rappelez-vous, je vous ai dit, plus tu avances, plus tu ressens le besoin de rester seul. Parce que l'intimité se vit seule. Et regardez, il dit, moi et l'enfant, nous irons adorer. Il arrive là-bas, il n'a pas chanté, il n'a pas joué les mélodies prophétiques, il n'a pas provoqué l'atmosphère. Il a offert. Si la première fois qu'on a parlé de adorer, on a offert, c'est que adorer n'a rien à voir avec chanter d'abord. C'est d'abord offrir. C'est d'abord offrir. Voilà pourquoi je te disais que l'adorateur, c'est des choses que, d'où je viens à Kinshasa, on n'aime pas trop entendre. L'adorateur a le privilège de connaître la vulnérabilité de Dieu. Parce que en réalité, Dieu veut dire complet, qui n'a besoin de personne, qui se suffit par lui-même. Mais lorsque un homme adore Dieu ou un homme est adorateur, en réalité, il est celui à qui Dieu est en train de dire, écoute, telle chose me manque, donne-la moi. Comment Jéhovah Jireh qui ne manque de rien, qui pourvoit à tout, peut encore manquer d'un adorateur? Parce que ce que l'on cherche, c'est ce qui manque. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des intercesseurs. Pourquoi Dieu cherche alors qu'il a tout? Pourquoi? L'adorateur bénéficie du privilège. J'appelle ça privilège parce que ce n'est pas chose aisée. Il bénéficie du privilège de connaître la vulnérabilité de Dieu. C'est-à-dire, c'est la chose là que Dieu manque. Le grand Dieu, c'est la chose qui manque. Et ça, ce n'est que dans l'intimité que tu le découvres. Ce n'est que dans l'intimité que tu peux t'en rendre compte. Amen. Alors, reviens bien. Donc, si on est en train de parler ici, ce texte que nous avons lu, afin de faire paraître devant lui une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ici, on n'est pas en train de parler de monsieur tout le monde, mais on est en train de parler de ceux et celles qui ont entretenu un contact, une intimité, une proximité avec Jésus. On est en train de parler ici d'une méthode, d'un travail que Dieu est en train d'effectuer sur les personnes qui sont destinées à demeurer dans son intimité. Dis, Dieu doit travailler sur moi dans l'intimité. On est en train de parler ici de comment, après 12 heures, dans un tel programme, Dieu peut affecter ta vie et en tirer un résultat. Je vais essayer d'aller un peu vite. Quelqu'un comprend ça? Mais alors, il était possible d'évoquer autre chose. Pourquoi seulement le visage? Je crois que vous avez compris. Mais bon, pourquoi sur le visage on ne parle pas du nez? Pourquoi il ne parle pas de la bouche? Pourquoi il ne parle pas de la cassure des lèvres? Pourquoi il ne parle pas... Pourquoi il ne parle pas d'autre chose? Pourquoi on a l'impression que Dieu est ce type d'esthéticien qui ne se concentre pas sur la manicure, qui ne se concentre pas sur la pédicure, mais qui se concentre sur le soin de visage? Vous voyez bien. Et en particulier, la tache, la ride. Alors c'est quoi la tache? Selon le dictionnaire, la tache est une petite étendue de couleur, d'aspect différent d'un fond. On a compris, non? Ça veut dire que si le tableau est blanc et qu'il y a un point noir, le point noir c'est la tache. Si le visage est choco-frappant et qu'il y a un point d'une autre couleur, c'est une tache. N'est-ce pas? Donc, les choses qui concernent la tache sur le visage concernent une certaine homogénéité,
une certaine uniformité. Retenez bien cela. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que quand l'esthéticien aura fini, il faudra que l'on constate qu'il y a maintenant une certaine uniformité. Tu vas comprendre. Sois avec moi. Deux, la ride. La ride, par définition, c'est un petit pli de la peau. Le plus souvent au front, à la face, au cou, dû notamment à l'âge. Vous savez, des fois, je m'amuse à me rappeler que quand j'étais enfant, je pensais que la reine d'Angleterre était née vieille. Parce que depuis que je la connaissais, vous avez jamais eu cette impression-là? À quel moment elle a vieilli? On dirait qu'elle n'a jamais vieilli. Paix à son âme. On dirait qu'elle n'avait jamais vieilli. On dirait qu'elle était née comme ça. Pourtant, la ride, ça traduit quelque chose qui arrive avec le temps. Un facteur temps est lié à la ride. Rappelez-vous encore, ici, on ne parle pas de cosmétique. On parle d'intimité. Et ici, lorsque vous êtes en train de regarder ce texte, vraiment, j'aimerais vous emmener à avoir un regard sur ce texte de manière à ressortir ce que cela représente. Lorsque vous regardez ce texte, considérez que vous êtes en face d'une métaphore. Laquelle? Une métaphore qui vous traduit l'effort de Dieu, le travail de Dieu sur deux axes de la vie qui représentent deux choses. La première, l'homogénéité. La deuxième, la fluidité. Ça veut dire que regarde à ce texte comme quelqu'un qui essaye de comprendre qu'est-ce que cet esthéticien essaye de faire, qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir. En réalité, si on parle de sans tache ni ride, l'objectif de Dieu, ce n'est pas la tache, ce n'est pas la ride. L'objectif de Dieu, c'est une suite donnée. Voilà pourquoi vous allez lire dans le même texte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme s'il a mis sur le même tableau une peinture de la situation présente, tâche, ride, et une autre peinture de la situation suivante, du cliché suivant, sainte, irrépréhensible. Garde en vue que lorsque tu t'approches de ce texte, tu es en train d'essayer de comprendre comment Dieu s'attaque à deux axes de la vie d'un homme sur lesquels il peut obtenir quelque chose. La tâche, la ride, ce ne sont qu'une métaphore. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la tâche? La tâche représente tout domaine de ta vie dans lequel Dieu travaille afin de produire en toi le caractère. Parce que rappelez-vous, on a dit que la tâche, c'est tout point où la couleur est différente d'une couleur initiale qui est censée être générale. Là où il y a un problème d'homogénéité, il y a un problème de caractère. Pour l'esthéticien, il faut que la couleur qu'il y a sur la joue soit la même que sur le front. Alors lorsqu'on constate qu'il n'y a pas la même couleur sur la joue et sur le front, l'esthéticien se dit « je dois travailler sur ça ». De la même manière, le caractère, c'est cette faculté à être la même personne en privé et en public. Le caractère, c'est cette faculté à être la même personne que l'on admire du haut de la chair, mais que l'on admire aussi dans la vie de famille. Lorsque tu vois Dieu commencer à travailler sur la tâche, lorsque tu vois Dieu commencer à s'atteler sur la tâche, ça veut dire que Dieu est en train de travailler sur ton caractère. L'église que Jésus-Christ va reprendre, ce n'est pas une église d'hypocrites. Oulala, touché. Ne t'en fais pas. Il est fort possible que tu voies le frère qui se tient devant pour modérer, pour conduire, et quand il chante, les gens tombent et tout ça, mais qu'à l'enlèvement, il ne soit pas concerné par le business. Sans tâche ni rides. Mais lui, c'est la tâche. Quelqu'un comprend ça? Et regardez, il est même possible que dans les choses qui concernent le caractère, de la même manière que la tâche peut facilement être dissimulée par un maquillage, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes sœurs? Pourquoi vous ne dites pas amen, mes sœurs? Make-up, et puis Snapchat, filtre. Et puis tu vas poster sur TikTok avec un autre filtre. Qu'est-ce que tu nous veux, maman? Mettez la VAR. Un jour, en sortant du ciné, il va pleuvoir. Et tu sauras que ce jour-là, justice de Dieu. »
Parce qu'il est possible de cacher une tache avec le maquillage. De la même manière, dans les choses du caractère, il est possible de cacher une mauvaise chose. De la même manière, il est possible d'être parfait en public, mais d'avoir un problème en privé. Certaines personnes, pour cacher leur tâche, mettent de la poudre. Certaines personnes, pour cacher un mauvais caractère, mettent la poudre de l'hypocrisie devant les gens. Mais si ce jour-là, tu veux paraître devant Jésus, il faut que tu sois sans tâche. Ça veut dire qu'il faut que Dieu ait pris le temps de travailler sur ton caractère. Il faut que tu sois la même personne en privé, la même personne en public. Il faut que j'ai suivi un homme de Dieu dernièrement qui a dit, si tu vois quelqu'un commencer à faire les choses qu'il interdisait hier, c'est qu'il n'a plus de caractère. Parce que le caractère, c'est la faculté à rester constant dans ses convictions, constant dans ses disciplines, constant dans les choses dans lesquelles on croit. Si aujourd'hui, tu me dis que le Saint-Esprit t'a convaincu de ne plus écouter la musique mondaine, tu ne peux pas revenir demain me dire, non, dans la Bible, ce n'est pas un problème. Je peux ouvrir une parenthèse ici. Écoutez, dans les choses qui concernent le péché, depuis l'avènement de la nouvelle alliance, arrêtez de regarder seulement à la Bible. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire ceci. Si quelque chose pour toi doit être dans la Bible avant que tu croies que c'est un péché, c'est que tu as une panne de Saint-Esprit. Il y a un problème. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. C'est comme si le Saint-Esprit était tenu à entrer dans un auditoire et de faire un discours dans le but de convaincre. Est-ce que tu peux faire un débat ou une discussion avec le Verbe divin et ne pas être convaincu? Ça veut dire que tu n'as pas encore écouté. Si tu l'avais écouté, tu serais convaincu. L'église qui paraîtra devant Dieu, ce n'est pas cette église des personnes qui disent « Non, telle chose, c'est pas mauvais. Telle chose, d'ailleurs, telle personne l'a fait. » Maman, à l'heure d'aujourd'hui, toi tu fais les choses parce que telle personne aussi a fait. Are you sure? Lorsque ta justice dépend de ce que les autres disent ou de ce que les autres font. Regardez, de la même manière que la tâche est conjoncturelle, ou la tâche peut apparaître de manière inopinée, c'est-à-dire, j'avais un bouton de graisse peut-être, je l'ai percé avant qu'il ne soit à maturité, ça me fait une tâche, n'est-ce pas? C'est conjoncturel. De la même manière, Dieu peut permettre que tu passes par certaines situations, Dieu peut te faire passer par certains tests lorsqu'il veut travailler ton caractère, dans le but de te révéler ta situation. Tu n'as pas compris. Dieu peut créer COVID-19. Le ou la COVID-19. Adam Mar. Dieu peut faire que COVID vienne pour que l'on se rende compte qu'il y avait réellement un problème dans l'église. Dans cette période où on n'est plus allé à l'église, qu'est-ce que tu étais devenu? C'est ça qui te montre ton caractère. La tâche. Dans cette période... Dans cette période où tu es dans un environnement où il n'y a pas de chrétiens et que tu dis, bon, il n'y a pas de chrétiens autour de moi, donc j'ai le droit de ne pas être chrétien. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un problème. Dieu peut passer par ces situations pour travailler sur ton caractère. Ézéchiel, Dieu lui fait voir des visions où le peuple d'Israël est en train de se compromettre avec des idoles. Il dit, regarde, ces anciens d'Israël dans leur chambre, ils ont des idoles, mais ils pensent que je ne vois pas. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? La Bible dit, celui qui est dans le secret, il te voit, il te le rendra. Dieu ne voit pas seulement quand tu pries, Dieu voit aussi.
On a tellement chosifié Dieu qu'on croit que Dieu te voit seulement quand tu pries. Mais il ne te voit pas quand tu pèches. Alors ça fait que tu peux avoir péché en public sans te repentir, sans te remettre en question. Tu viens sur l'autel et tu chantes. C'est un problème de caractère. Dis avec moi la tâche. Dis la tâche. Il faut que Dieu l'enlève. Quelqu'un comprend ça? L'église que Jésus-Christ va prendre, c'est le genre d'église pour lequel Dieu pouvait parler de Job et dit, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre. Dieu parlait à Satan. Allô? Dieu parlait à Satan. Job 1:8. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre dans toutes ses voies. Il n'y a aucun homme comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut parler dans le monde spirituel en ta faveur de cette manière? Je vais ouvrir quelque chose à ce sujet. Le caractère détermine l'autorité d'un homme dans le monde spirituel. Parce que le caractère, c'est le seul domaine dans lequel tu peux être vu et des anges et des hommes. Je vais donner un exemple. Au fait, quand on donne une prophétie sur toi à l'église, ou bien que tu as ton passeport, tu as eu ton visa par exemple, pour aller faire poursuivre des études au Canada, certaines personnes ont tendance à croire que si j'emmène le passeport devant tout le monde ou si je témoigne à l'église, les sorciers vont me voir, d'accord. Alors si tu, quand tu vas dire ça à l'église, les sorciers vont te voir, maintenant à la maison ils ne vont pas te voir, c'est seulement l'église qui a les yeux pour voir. En d'autres termes, ça veut dire que dans notre croyance, nous sommes conscients que dans le monde spirituel aussi nous sommes vus. Dans le subconscient, dans l'imaginaire collectif, il est admis que nous ne sommes pas seulement vus par les yeux physiques, nous sommes aussi vus par les yeux spirituels. Quelqu'un comprend ce que je dis? Les choses qui concernent la tâche, les choses qui concernent le caractère, concernent ces choses sur lesquelles Dieu veut travailler, afin que tu sois homogène. Que lorsque Dieu te regarde, je vais dire quelque chose. Pourquoi Dieu va aimer l'adoration des anges alors qu'il a les hommes? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Écoutez, l'adoration des anges part d'un point d'observation. Si vous lisez Jean, vous lisez Esaïe, il dit, les anges disent saint. Les quatre êtres vivants disent saint. Ça veut dire, après avoir contemplé, ils constatent ce qu'il est et ils disent saint. L'adoration des anges part d'une observation. Pour avoir vu, ils disent. Mais l'adoration de l'homme est un miroir. Voilà pourquoi Jésus-Christ, venant sur terre, Colossiens, dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Quand Dieu regarde à Jésus, il se renvoie une image de sa propre personne. L'adoration de Jésus n'a rien à voir avec ce qu'il a dit ou ce qu'il a vu. C'est ce qu'il est déjà, qui renvoie une image à Dieu. Lorsque Dieu te regarde, Dieu veut se voir refléter sur lui sa propre image. Alors lorsque Dieu travaille sur ton caractère, c'est pour que lorsqu'il regarde sur toi, lorsqu'il regarde à ta vie, qu'il se reflète sa propre image. Est-ce que si on pouvait regarder à comment tu traites les autres, ça reflèterait l'image de Jésus? Est-ce que si on pouvait regarder à ton manque de pardon, ça pouvait refléter l'image de Jésus? Alors Dieu peut créer certaines situations pour travailler sur ton caractère. Alors je disais la tâche, le ride. Parlons du ride, de la ride, pardon. Oulala, le français. La ride, on a dit que la ride, c'était un pli de la peau. Ça veut dire qu'il y a comme une forme qui est censée être dégagée sur la peau. Quand tu passes le doigt, tu vas sentir que c'est lisse, que ça coule. Mais quand il y a la ride, c'est comme si ça bloque quelque part, n'est-ce pas? Donc la ride empêche à ce que la peau soit lisse ou qu'elle soit fluide. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La ride représente un domaine de ta vie dans lequel Dieu travaille afin d'obtenir de toi ou de produire en toi l'obéissance.
la tâche, si la tâche représente le domaine dans lequel Dieu travaille sur toi pour obtenir de toi le caractère, la ride représente un domaine de ta vie dans lequel Dieu travaille afin d'obtenir de toi l'obéissance. Psaume 133, il dit, une bénédiction pour les frères d'être ensemble, car c'est là que Dieu répand la vie, la bénédiction, la vie éternelle. Verset 2. C'est comme l'huile répandue sur la tête de Aaron, descend sur sa barbe et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements, qui se répand sur le bord de ses vêtements. Qu'est-ce que cela suppose? Ça suppose que la position de Aaron par rapport à la réception de l'huile détermine la continuité de la coulée de l'huile. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que si Aaron était en position verticale lorsqu'il a reçu l'huile, elle va permettre à ce que ça coule sur sa barbe et que ça coule sur le bord de ses vêtements. C'est logique, n'est-ce pas? C'est de la physique. Ça, c'est la loi de l'inertie, n'est-ce pas? L'impossibilité que tout corps peut avoir de se mouver par lui-même. Et donc, il faut une position qui permettra que ça coule. Pour que l'huile qui coule sur la tête de Aaron arrive jusqu'à ses pieds, il faut qu'il se maintienne dans une position verticale. Ça veut dire que Aaron doit obéir à cette position. Si Aaron change de position, l'huile cesse de couler. Imagine l'huile qui descend sur la tête de Aaron, mais Aaron est allongé. Comment ça va arriver sur le bord de ses vêtements? Parce que c'est le verset suivant qui est intéressant. Il dit, c'est comme la rosée sur la montagne de Sion qui ruisselle sur l'hermon. Ça veut dire quoi? Ce que à l'hermon on est en train de voir comme un ruisseau ou comme une rivière, au départ ce n'était qu'une rosée tout en haut là-bas. Mais maintenant, géographiquement, le Sion et Hermon, c'est comme dans une chaîne de montagne et on a un point qui est beaucoup plus haut que l'autre. C'est parce que Sion est beaucoup plus haut que l'autre, que le Hermon, que la rosée qui tombe sur Sion peut couler sur Hermon. Ça veut dire que si Sion n'était plus dans cette position-là, il n'allait pas continuer d'approvisionner Hermon. Les choses qui concernent la ride concernent une position dans laquelle Dieu veut te maintenir, une obéissance dans laquelle Dieu veut te maintenir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que c'est cette obéissance qui détermine la fluidité, la continuité de ce que Dieu est censé faire. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que, à Kinshasa par exemple, la proclamation c'est le 2 juillet. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés le 2 juillet que tu passes forcément de classe. Le 2 juillet ne signifie pas passer de classe. Bon, en fait, quand on était enfant, si tu rencontres un oncle le 23 juin, il te dit, ça va, comment ça va, tu as grandi. Pourquoi les oncles disent toujours ça? C'est barbant, arrêtez. Il dit, oh, mais tu as grandi toi. Tu es en quelle classe? Non, je passe en cinquième. Qui t'a dit que tu es passé? Le 2 juillet n'est pas encore arrivé. On a trop longtemps cru que c'est parce que c'est le 2 juillet que d'office je vais passer. Non, on ne passe de classe que lorsqu'on a répondu avec satisfaction aux épreuves. Le combat de l'obéissance peut faire des fois que Dieu te maintient dans une position juste pour obtenir de toi l'obéissance. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que si la tâche peut être conjoncturelle, occasionnelle ou circonstancielle, la ride, elle est temporelle. C'est-à-dire, elle est liée au temps. Elle travaille avec le temps. Les choses qui concernent l'obéissance, c'est des choses qui sont complices avec le temps. C'est-à-dire, c'est des choses que Dieu travaille en complicité avec le temps. C'est quand tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. Dieu refuse de te le donner. Il te dit jusqu'à ce que tu changes ton cœur. C'est comme ça que Dieu travaille la ride. C'est quand ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne te le donne pas. Il te dit jusqu'à ce que tu vas demander pardon à telle personne. Il te dit, mais Seigneur, c'est lui qui m'a fait du mal. Obéis. Des fois, Dieu peut t'imposer une humiliation juste dans le but d'obtenir de toi l'obéissance. Tu sais que c'est cette personne-là qui t'a fait du mal. Mais Dieu te dit, va demander pardon. Ok. Les choses qui concernent l'obéissance ou le processus par lequel Dieu veut obtenir de nous l'obéissance, ce sont des fois comme des fatalités. Des choses que le temps nous impose, vouloir ou pas, bon gré, mal gré. Je me rappelle la fois où Dieu me parlait de mon appel.
2008, 2009, Dieu me parle de mon appel. Je suis né de nouveau le 15 août 2008. Depuis, Dieu me parle de mon appel et tout ça. J'ai eu le privilège d'être baptisé de l'Esprit quand même le même jour où j'ai reçu le Seigneur. C'est quelque chose de très rare et je bénis le Seigneur pour ça. Et paix à l'âme de la personne qui avait prêché ce jour-là pour me conduire. Il vient de décéder, le pasteur Ben Isambassa à Kinshasa. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler de mon appel. Je refusais. Je disais non, ah, ces histoires de chanter là, je refusais. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je refusais, je n'en voulais pas. Être pasteur, de temps en temps je prêchais à l'écodie, mais vous voyez, nous, le problème avec nous les enfants Samuel, c'est qu'on a tellement grandi dans les choses de Dieu qu'à un certain moment on ne sait plus si on le fait par décision ou par coutume. Je faisais par coutume, par habitude. Papa, il aime les choses de Dieu, il nous emmène à l'église, alors on fait pour faire plaisir à papa. Alors quand Dieu me parle de mon appel, je ne voulais pas, je refusais. Vous savez, c'était quoi moi, mon rêve? Être footballeur. Ah ouais. J'ai joué jusqu'en 3e division. Alors une fois, pendant qu'on prépare la 3e division, la saison qui allait commencer, je m'appellerai toujours, c'était à la 7e rue, à la place commerciale. Il y avait un terrain de foot à l'époque, aujourd'hui c'est des kermesses, laisse tomber. Et j'ai fait une crise d'asthme en plein entraînement. Il y a un frère, c'était un chanteur qui est aussi décédé. Il disait vieux Dieu. Même si vieux Dieu, maman a compris. Je dis, ah Seigneur, tu pouvais simplement insister un peu, non? Et me dire que tu voulais que je te serve. Tu me bloques vraiment comme ça. Ah. Dieu m'a bloqué de mon rêve de footballeur pour que j'accepte cet appel. Pour obtenir l'obéissance de toi, Dieu va utiliser le temps. Il te bloque. Tu ne comprends pas, tu essaies de passer ton bac plusieurs fois, mais Dieu refuse, Dieu refuse, Dieu refuse. Parce qu'il sait que cette année-là, étant donné que tu n'es pas encore affermi, si tu vas à l'université au Canada, c'est fini, on t'a perdu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Pour traiter avec la ride, Dieu travaille avec le temps. Et une dernière chose au sujet de la ride, avant que l'on puisse prier, c'est que la seule chose qui peut te débarrasser de la ride, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des lotions, il y a des lasers, il y a quoi encore? Chirurgie. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous allez remarquer que même ces personnes, malgré toutes les opérations qu'elles font, lorsque le temps avance, les rides reviennent quand même. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça veut dire que le temps est tellement têtu au sujet des rides que c'est inévitable. Et la seule manière pour toi de ne plus avoir de rides, c'est de mourir. Ouh. La seule manière pour un homme, pour le corps d'un homme, de se débarrasser d'une ride, c'est de mourir. Dans les choses qui concernent l'obéissance, il est possible que Dieu t'emmène jusqu'au point du dépouillement. Jusqu'au point de la mort. Jusqu'au point où il te touche là où tu dis, Seigneur, pas ça, s'il te plaît, pas ça. S'il te plaît, pas ça. Il dit, c'est ça. Cette décision que Dieu te demande de prendre, que tu refuses, jusqu'à ce qu'il te dépouille par lui-même. Je me rappellerai toujours, je priais, ma mère avait un cancer de l'utérus. J'ai prié, je dis, Seigneur, s'il te plaît, épargne-la. Épargne-la. J'ai dit, s'il te plaît. Même quand on m'a appelé pour me dire, maman est décédée. Ce jour-là, j'avais fait une vidéo sur les réseaux sociaux quelques heures avant. J'ai chanté, Papa Yende Olobaki. Ceux qui me suivent sur Instagram depuis très longtemps, ils peuvent se rappeler de cette vidéo. J'étais en t-shirt blanc comme ça, dans une voiture. Quelques heures après, on m'annonce que ma mère est décédée. Parce que constamment, j'étais là en train de dire, « Bilakanayo, ne l'enlève pas, ne l'enlève pas, ne l'enlève pas. » Mais c'est ça. Et chaque fois, il me disait, « L'alliance va parler. » J'ai dit, « Ah, l'alliance ne peut pas parler une autre langue, seulement la mort. » Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi.
pour obtenir l'obéissance de toi. Des fois, Dieu n'a pas d'autre choix que de t'imposer la mort. Mais ce que j'aime, c'est que ce qui t'a fait mourir devient la légende de ton histoire. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham parce que il a voulu offrir son fils et c'est devenu la légende de son histoire. Ne t'en fais pas. C'est la mort, c'est difficile. Tu as du mal même à l'accepter. Mais ça, c'est la légende de ton histoire. Sans tache ni ride. Je saurai que tu as rencontré le Seigneur pendant ces 12 heures. Si au sortir de ces instants, Dieu a travaillé sur ton caractère, Dieu a travaillé sur ton obéissance. Je saurai au sortir de ce programme que Dieu a réellement affecté ta vie, que le Saint-Esprit a ouvert les paramètres pour demeurer. Parce que rappelez-vous que eschatologiquement, nous sommes à cette étape où maintenant il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre et nous allons demeurer avec Jésus. L'épouse, c'est pas pour l'Armageddon. L'épouse, c'est pas pour les tribulations. L'épouse, c'est pour l'éternité. Si tu veux demeurer, si tu veux rester là, sans tache ni ride, passe par la clinique de l'esthéticien docteur Jésus. Sans tache ni ride. Le problème, tu te demandes pourquoi tu ne demeures pas. Ce n'est pas une question de volonté. Avec toute la bonne volonté du monde, il te sera impossible de demeurer. Ta volonté peut t'emmener devant une porte, à une étape. Mais le reste, c'est ces choses qui doivent se faire en toi. Le caractère, l'obéissance. Il faut que lorsque Dieu te regarde, qu'il se reflète, qu'il se renvoie son image. Il faut que lorsque Dieu regarde à ta vie, qu'il voie que ta vie est tellement obéissante qu'il n'a rien à te reprocher. Tout ce qu'il te demande de faire, tu fais. Tout ce qu'il te demande de donner, tu donnes. Ça fait mal des fois, c'est embêtant. Pourquoi? Quelqu'un a même dit, mais votre Dieu là, apparemment, c'est un Dieu méchant, c'est un père fouettard. Ce n'est pas ça. Il veut nous apprendre l'obéissance. Tu ne peux rien gagner avec Dieu si tu n'as jamais rien perdu pour lui. Quelqu'un comprend ça? L'église que Jésus-Christ viendra chercher, elle est faite d'hommes et de femmes qui acceptent ces deux choses. Ne pas avoir de tâches, ne pas avoir de rites, afin de faire paraître devant lui une église sans tâches ni rites. La tâche, la ride, ça se traite dans l'intimité. Quelqu'un commence déjà à situer ce message par rapport à sa vie et il sait plus ou moins exactement là où ça se trouve. Commence à parler au Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu t'ait dépouillé de ces choses qu'il ne peut pas obtenir de toi. Tu dis, Seigneur, c'est le premier homme de ma vie. Je le connais depuis longtemps. Pas lui. Je te dis lui. Lorsque Dieu m'a demandé d'arrêter avec le séculier, j'ai insisté, je dis, Seigneur, laisse-moi travailler même un peu, que je fasse, que je peux faire les deux. Crois-moi, je suis assez intelligent pour ça. Fais-moi confiance. Je peux être et dans le séculier à plein temps et dans le ministère à plein temps. Jusqu'à ce que Dieu m'ait arraché. N'attends pas que Dieu t'arrache pour lui donner. Parce que ce que Dieu t'arrache par force peut ne pas avoir la même valeur que ce que tu lui aurais donné par sacrifice. Ce que Dieu t'arrache par force peut ne pas avoir la même valeur que ce que tu lui donnes par sacrifice. Lorsqu'une œuvre d'art est vendue aux enchères, ce n'est pas la même chose si c'est son propriétaire qui la donne pour une œuvre, par exemple, que si c'était saisi par le fisc. Il est possible que ce que tu avais acheté à 100 000 $ que le fisc le vende à 12 000 $ parce que tu n'as pas donné par obéissance. Dès qu'on te l'a demandé, on te l'a pris de force. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, tu dois le lui donner aujourd'hui. N'attends pas demain, il sera peut-être trop tard. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Seigneur? Si tu veux demeurer, alors il faudra que tu sois sans tache ni ride. Ce texte n'est qu'une métaphore. En vrai, elle ne concerne pas que le mariage dans sa manière d'être vécu sur la terre. Elle concerne un travail que Dieu veut faire en toi. Dans l'intimité. Dans l'intimité.
Si nous sommes réellement dans l'intimité, est-ce que Dieu peut produire ces choses dedans de toi? Si nous sommes réellement dans l'intimité, est-ce que Dieu peut te parler de cette addiction avec laquelle tu dois rompre? Si nous sommes réellement dans l'intimité, est-ce que Dieu peut t'arracher cette idole? Quelqu'un dit idole? Je n'ai pas d'idole. Si. Tout ce qui occupe ton attention et détourne ton adoration de Dieu, c'est une idole. À peine tu as une relation qui commence à marcher, tu n'as plus le temps de prier. À peine tu as un travail qui paye bien, on ne te reconnaît plus. À peine tu commences à performer dans les études, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu es devenu froid. Pire même, tu es devenu tiède. Un moment tu es là, un moment tu n'es pas là. Mais rappelle-toi que quand tu es tiède, tu es vomi. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Si tu veux demeurer, active ces deux paramètres. Le caractère, l'obéissance. Afin que tu sois sans tache ni ride. Est-ce que quelqu'un parle au Seigneur? Si nous sommes réellement dans l'intimité, tu ne te retiendras pas de lui parler de ces choses. Si tu te sens réellement dans l'intimité, tu ne te retiendras pas de lui parler de ces choses. Est-ce que quelqu'un peut lui parler? Est-ce que quelqu'un peut lui parler? C'est ça aussi adorer. Parce que rappelle-toi, on a dit que adorer, c'est faire ce qu'une divinité nous demande de faire.